Le temps étant avancé, the time being je vais faire achever rapidement. I'm going to, end quickly. Quels sont ceux qui sont là pour la première Anyone fois? Here for the first time? Pour la première fois. Anyone here for the first time? Amen, soyez bénis. Amen, be blessed. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, As I said earlier, que notre sœur Michelle, our sister Michelle a perdu son père. Her father passed away. Et le funérail, le veillée, and the wake, ça sera le vendredi prochain, will be for next Friday à Bethel. At Bethel Church. Église Bethel. The church Bethel. Je crois que l'ancien Pascal a déjà envoyé l'adresse. I believe the elder pastor has already sent out the address. Mais cette semaine, but this week, il va encore relancer. He will send it again. La communication au niveau des femmes. And at the level of the women. Il va aussi relancer. He will send that as well. Les hommes également. As well as the men. Avec l'adresse. Or the address. Que le vendredi prochain. So the next Friday. À partir de 20h. Start at 8 p.m. C'est le vendredi, non? C'est le It's vendredi Friday. Prochain. Next Friday. À partir de 20h. Starting at 8 p.m. Que nous puissions nous retrouver we là-bas. We can be there together. Pour soutenir notre sœur. To support our sister. Pour soutenir notre sœur. To support our sister. C'est vrai que spirituellement. It's true that spiritually. Elle est forte. She's strong. Elle a chanté. And she sung. Mais nous devons comprendre. But we must understand. Que ce n'est pas facile. That it is not easy. Elle a besoin en ce moment. She needs right now. Du soutien. Support. De nous tous. From all of us. C'est celui qui a le temps. And so the one who has time. Qui passe la voir. May they stop by to see her. Pour la soutenir. To support her. Ça fait plaisir. And that's a blessing. De savoir que quand on est dans ce moment. To know that when you're at this type of. Nous ne sommes vraiment pas seuls. We are not alone. Ceux qui sont pris. Those who are busy. Peuvent l'appeler. They can call her. Pour la fortifier. To fortify her. En tout cas, j'encourage toute l'église. I encourage the entire church. Nous savons que quand tu perds quelqu'un, you know that when we lose someone, tout le monde regarde ici. Everyone looks here. Donc, seul, alone, on ne peut rien faire. We can do nothing. Mais ensemble, but together, avec la participation financière de tout un chacun, financial participation of each one, ce soit, même si c'est un peu, no matter how much, c'est quelque chose. Even if it's a little, it's something. Donc, j'encourage vraiment so chacun. I encourage everyone. Que quand d'autres personnes arrivent, and I like when others come, que les gens comprennent, people understand que ceux qui sont de son église, that those who are from this church, étaient là pour la soutenir, are there to support her. Amen. Amen. Soyez vraiment bénis. Truly be blessed. On va donc se tenir debout. We're going to stand. Et on va faire la prière de clôture. And do the closing prayer. Se retrouver dimanche prochain. And find each other next Sunday.